sera bien servi. Voilà le point de rendez-vous. J'ai encore pas mal de choses à faire avant d'appeler les autres pour attaquer la base des Zéniths. C'est bon. Je suis au point de rendez-vous. Il est temps d'aller sauver Beta et Gaïa. C'est compris, Aloy. Nous sommes en route. Aloy. Où sont les autres? Juste là, derrière. Cette tête d'œuf voulait pas voyager avec tout le monde. Tout le monde est là? Alors on y va. Un tunnel. Une ancienne issue de secours pour s'échapper des ruines de l'île. Quand je me suis rendu compte qu'elle permettait de traverser, j'ai pensé qu'elle serait pratique pour aller et venir discrètement. Alors je n'en ai pas parlé aux autres. On y va ? J'aurais préféré un chemin moins odorant pour pouvoir entrer dans la base. Pareil. Oh. Voilà la tour de lancement. Cette plaine est à découvert. Il n'y a qu'un seul chemin possible par ici. Des spectres vont sûrement le garder. Et bien d'autres peuvent être déployés depuis ces hangars. Très bien. Alva, Sotalo, allez-y. Qu'est-ce qu'ils vont faire? Quelque chose d'important. Erend, avec moi. Vous autres, passez en hauteur au cas où il faudrait nous couvrir. C'est une bonne tactique, j'imagine. Et elle, que fera-t-elle? Il y a un nœud de capteur pas loin. Si je le pirate, je devrais pouvoir brouiller le réseau et vous permettre de passer inaperçu. Mais pas longtemps. Eh bien, poursuivons dans ce cas. Autre chose. Ouvre le canal à Beta. Juste l'audio. Aloy? On est là. Et on vient de sauver. Tu sais quoi faire, pas vrai? Bien sûr, tant que tu fais ta part. Sans faute. À tout de suite. Sois prudente. Allons-y. Va à la tour de lancement le plus vite possible. Je ferai de mon mieux pour camoufler notre intrusion. Attention, Aloy. Un spectre droit devant. On a de la compagnie. Allez. Je le fais toujours. Ça, on y va. Ça va l'arranger. Aloy, t'as besoin de ça. Ah! 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 Ah
nouvelle fois fait. Il semble qu'il y ait une grotte en haut qui peut nous permettre de traverser cette crête. Il va falloir grimper. C'est sinistre ici. Ne t'en fais pas, je te protégerai. Il faudrait un aussi. J'imagine que je vais devoir trouver un autre chemin. Il y a beaucoup de machines détruites sur cette île. On en a tué beaucoup quand on s'est posé ici. Leurs pièces peuvent sûrement être utiles. Un autre spectre. Évite-le ou attaque. Alloy est attaqué. Couvrez-la. D'accord, je... Trouver un moyen de remonter. Fatigué ? Ouais. Ouais ! Débarrasse-nous-en ! Je vais fermer cette fleur de métal. C'est fait. On va laisser ça ici, alors. Zombie à la castagne ! On peut s'occuper de lui. Continue. On peut traverser sur la carcasse d'oiseaux tempêtes. Déteste les oiseaux tempêtes. Mais bon, s'il est mort, je peux bien m'en servir. Tu te souviens du bon vieux temps? Notre seul problème était d'éviter la destruction de Méridian. Au lieu de sauver le monde entier. Ah oui. C'était le bon temps. L'attaque d'Activa.
Par-dessus ce rocher. Il faut faire le tour en escaladant. Je vais essayer de pas trop me plaindre. On va aussi vite que possible. Tout va bien ? Je survivrai. Ils ont combien de spectres, des Zéniths ? Je voudrais en affronter, ça c'est certain. Je peux me servir de cette arme si j'arrive à la prendre. Aloy, Alva et moi sommes en position. Allez-y. Détruisez le régulateur. Il faut juste que j'allume les charges. Oh. Alva et Kotalo ont réussi. C'est au tour de Beta. Aloy, je crois qu'on a des ennuis. Je ne sais pas comment tu comptais neutraliser ces spectres, mais maintenant il faut y aller. Ce n'est pas moi qui m'en charge. C'est Beta. Il lui faut juste un peu de temps. Oui, mais on ne l'a pas. Qu'est-ce que c'est que ça ? Transforme en champ de bataille. Ta petite manœuvre, bien que rusée, a permis à Héphaïstos d'éviter le confinement. Il va sûrement retourner sur le réseau des Creusets. On l'a déjà eu une fois, on peut recommencer. Ou peut-être trouver un moyen de répliquer sa fonctionnalité avec la base de données d'Apollon. À l'œil. Vous ne survivrez pas. J'ai un seul regret. Qu'est-ce que c'est ? On a dû faire autant d'escalades. Ce gros rocher pourrait nous servir de pont pour traverser. Oui.
Apparemment, tous les spectres ne combattent pas nos machines. Non, parce que ça aurait été bien trop facile. On pourrait continuer. Par ici. Quel saut ! Vers la droite. Gauche. Tu peux atteindre la tour de lancement en traversant le hangar. Je me dirige là-bas pour te rejoindre. Le hangar est en sale état, mais je vois une entrée. Vite, Aloy. Encore un. Ah!
du monde. On y va. Regarde-moi tous ces trucs de l'espace. Cet endroit va s'effondrer tout autour de nous. Raison de plus. C'est le gars qui porte presque rien qui dit ça. Tu peux en être sûr. Ouais, et ben quand ils arriveront, ce truc sur mon dos a intérêt à marcher. J'espère que tu ne l'as pas abîmé en sautant partout. Aloy, c'était intense. Nico Tallo m'a amené vers un noyau du réseau. Je vais essayer d'y accéder. Continuez. On est presque à la tour. Qui est à l'origine de ce chaos. Le chien-chien de Tilda. Silence, Zénith en vue, on pourrait abattre leurs boucliers. Je charge la parole. Bouge pas. C'est inutile. Vous ne pouvez rien faire. Regardez-vous, des vermines qui se sont introduites par une fissure dans la cave. Silence ! Encore un moment. Mais je peux vous épargner si vous me livrez Tilda. Je crois qu'on peut dire qu'elle a renoncé à sa part dans notre opération. Définitivement. Ah, ça y est. Non ? Vraiment ? Bien. Alors tant pis. Plombez-les ! Sommes-nous censés avoir peur ? Avant de préparer la navette pour partir. Il pourrait alors emmener Beta et Gaïa en orbite, à bord de l'Odyssée et hors de notre portée. On doit passer par là. Je ne vois pas d'autre option. Allez, on va se payer un chemin. Préparez !